dans les deux minutes de Fitz le Brasseur. Aujourd'hui, on vous parle d'écorce de riz. Et c'est parti pour deux minutes. Alors, principalement, c'est quoi l'écorce de riz? À quoi ça sert de l'écorce de riz? On va l'utiliser principalement quand on a du grain qui n'a pas d'écorce. Comme le blé, le seigle, les flocons, toutes ces choses-là, on va utiliser de l'écorce de riz. On va mettre de l'écorce de riz justement pour aider à la filtration du mash. Ça va permettre de ne pas faire la pâte. Quand on va moudre notre sans-écorce ou notre blé ou peu importe, ça va risque de faire une belle gomme comme une pâte. Pour empêcher ça, pour aider à la filtration, on rajoute 10% d'écorce de riz, ce qui va permettre à rajouter l'écorce qu'on devrait avoir si on ferait avec de l'orge, exemple. Alors si on brasse pas d'écorce puis on fait un stock mash, stock mash, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mash y est pris, la filtration se crée plus, l'eau reste prise par-dessus et ça prend vraiment longtemps pour qu'il descende à travers votre grain tout le long du processus. Autant filtration que durant notre mash, les causes que ça peut nous faire, autre que perdre notre temps. Première chose, c'est l'efficacité risque d'être réduite. Pourquoi? Parce que souvent l'eau va avoir tendance à se créer le chemin le plus rapide à travers notre gâteau, si vous voulez. Ça veut dire qu'il va passer à travers les parois. Vu que c'est en stainless, c'est plus facile à passer ici. Il va se créer un chemin et ça va être moins efficace parce que le reste du grain, il n'aura pas tout à été ramassé son sucre. L'autre chose qui peut arriver pour un stock mash, c'est qu'on a broyé notre grain, on a moulu notre grain, pas broyé, mais bien moulu notre grain trop fin, qui est pratiquement la même chose dans ce cas-ci. Si le grain est moulu trop fin, on a brisé l'écorce, on l'a mis en farine. On peut rajouter des écorces de riz pour empêcher, pour aider la filtration, bien entendu. Par contre, si on a fait ça avec notre écorce, notre grain, on l'a mis en poussière, oui, l'efficacité risque d'être meilleure. Par contre, vous risquez d'aller avoir des tanins dans votre bière et les risques sont vraiment, vraiment, vraiment élevés. Alors c'est tout pour le petit 2 minutes du brasseur, j'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi le savoir, partage en grand nombre, oublie pas de t'abonner, la petite cloche, pour rien manquer qu'est-ce que je fais. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo les amis. Bye!